Nooman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro, qui s'en est fait une avec un dessin tout pourri en chantant n'importe quoi, ta-da-ta. Salut les biloutes, c'est Nooman, on se retrouve pour le test de la démo de FIFA 15. Ça y est, on va lancer directement, on va essayer de perdre le moins de temps possible. Oh, magnifique, Lionel Messi. Bon, je n'ai jamais lancé la Beko, c'est quoi ce... Ça, c'est la marque de mon frigo, ça. Je n'ai jamais lancé la démo, donc on va voir comment ça se passe. On va découvrir tranquillement. Si c'est trop long, je vous la ferai en deux fois. Et puis on va découvrir au fur et à mesure. Donc déjà, cette présentation-là au niveau du drapeau, c'est la même. Ils se sont pas fait chier. On va vraiment... Je vous laisse ça pour ceux qui n'ont pas la possibilité de télécharger. C'est vrai que nous, on a eu de la chance sur 360 et sur Xbox One, parce que sur One, c'était disponible hier déjà. En début de journée, sur 360 c'était en début de matinée, sur PlayStation 4, Play Store c'était cette nuit, et pour la appuyer sur et pour la PS3 malheureusement ça va dater un peu. Est-ce que je vous laisse ça? Ouais, on va vous laisser ça quand même. Qu'est-ce que c'est? Première League, ça y est, Anfield, Liverpool, Manchester City. Est-ce qu'on a le droit à choisir? Je sais pas. On va voir comment ça se passe. Vraiment sans aucun a priori. On va regarder, redécouvrir. Ok, donc on a les commentateurs magnifiques, hein, avec une belle tête d'anglais. Le public qui est toujours mieux fait que sur les anciennes consoles. Ça reste quand même, c'est quand même, enfin moi le truc qui sera le top quand même quand on arrivera. Après ça doit demander une programmation de malade, mais de faire un public qui bouge vraiment indépendamment les uns des autres, ce serait top. La qualité des graphismes a l'air vraiment 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 pas mal hein, pour l'instant. Le maillot a l'air de bien bouger. On va voir un peu parce qu'on va peut-être appuyer. Je sais pas si on a le choix. Ah oui, on n'a pas le choix. On commence directement. On commence directement. Est-ce qu'on a le droit de quitter? On va voir, tatati, fin du match. On va plutôt aller voir, oui, on n'est pas comme ça. On va plutôt aller voir un peu les menus, hein. On va découvrir, parce que là, si on nous impose un match, parce qu'il y a plusieurs modes qui sont disponibles, je crois que j'ai vu qu'il y avait le mode fut avec certaines équipes qui étaient disponibles, le mode en hors ligne, forcément, qui est disponible pour quelques matchs. Le nombre d'équipes pour l'instant est limité à 8. Ça reste une version démo, donc on va voir un peu comment on ressent le truc. Et puis voilà. Alors, nous sommes à coup d'envoi, d'accord. Toujours Lionel Messi, hein, forcément, vu qu'il est sponsor de. Puisqu'il est sponsorisé par FIFA, de l'autre côté de PS et Cristiano Ronaldo. Nouveauté, découvrez les améliorations apportées à la jouabilité, les nouvelles passionnantes. Non, parcourant, Zeldir, style droit. Ok. Intelligence émotionnelle, les joueurs réagissent désormais plus spontanément aux tacles ratés, aux occasions de buts gâchés, aux buts mémorables, et plus encore. Alors ça m'intrigue. Alors autant dire que si les mecs ils loupent, enfin je sais pas, on va voir, comme je dis je pars pas avec d'a priori, mais ça m'inquiète un peu, ça a l'air d'être un petit peu bizarre, on va voir un peu. Tactique d'équipe, parmi les tactiques qui pourront adopter vos adversaires, vos coéquipiers, vous trouverez l'attaque de folie ou la défense de malade. Oui, c'est vrai que maintenant vous aurez, on va voir ça après le match, avant vous aviez simplement défensif, ultra défensif, modéré, enfin je sais plus le truc au milieu, attaque et attaque, voilà. Maintenant ils nous ont mis deux paliers en plus, à savoir la défense de malade. Je trouve que le terme est un peu spécial, mais bon, j'aurais trouvé un défense de malade, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Quand vous serez en D1, à mon avis, les mecs qui vont jouer 11 derrière. Et attaque de folie, bon, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, vous avez vos derniers défenseurs qui se trouvent 35 mètres devant le but adverse. Donc la moindre contre-attaque est fatale, mais bon, c'est vraiment au cas où vous en ayez besoin. Souplesse et contrôle, les courses et les changements d'appui sont plus précis. Le contrôle en pleine course et la mobilité des joueurs sur le terrain sont optimisés, ok? À la charge de l'épaule, avec les charges de l'épaule, les tacles défensifs et le tirage de maillot défendre n'a jamais été aussi gratifiant. Ouais, enfin, s'il est marqué le tirage de maillot, ça s'appelle défendre. On n'a pas la même définition de défendre. Gardien, nouvelle génération, découvrez plus de 50 animations sur les arrêts. Ça peut être pas mal, ça. Une intelligence artificielle et des réactions améliorées. Une modélisation plus réaliste, c'est le joueur. Ok, on verra ça. Gestion d'équipe. Personnalisé, j'ai 6 compositions d'équipe différentes. Présentation dynamique des matchs. Oh non, pas les présentations qui durent des plombes. On verra ça au fur et à mesure. Journée en direct inédite pour alimenter goal.com. Ça aussi, on verra bien. On va voir. Je vous le passe quand même rapidement pour ceux qui veulent voir. Vous lirez, vous ferez un arrêt sur image et vous lirez. Joueur de prêt, tiens. À jouer avec les joueurs les plus recherchés en les faisant signer dans votre club le temps d'un prêt. Il y a le catalogue. Alors ça a fait la polémique. On verra comment ça se passait. On verra bien. Et ça, c'est un peu le style fut aide. Vous pourrez voir un peu comment va se comporter votre équipe si vous achetez certains joueurs. Ultimate Team, coup d'envoi. On va voir si le mode Ultimate Team est disponible. De toute façon, au pire, si on ira se faire un match coup d'envoi, on va essayer de faire une vidéo pas trop trop longue quand même. Magnifique, magnifique. Ah, ça doit être ça alors. Oh putain, j'ai touché Lionel Messi! Je m'en fous, je l'avais touché aussi sur le 14. Oh, superbe. Dans FIFA Ultimate Team, vous créez des équipes. Mon ami, pourquoi il me prends-tu? Ça fait des années que je joue à ça. Ok, continuez. C'est ici que s'affiche l'entente. Ok, l'entente, elle a pas changé. Forcément, avec une entente collective élevée, vos joueurs seront plus performants sur le terrain. Ça me paraît logique. Intéressons-nous à la conception clé du collectif, l'attribution du bon poste au bon joueur. Ça paraît logique, bon, ça, on s'en fout, on s'en fout. Vous avez un MD et un MC qui n'évoluent pas au bon poste, permutez-les. Comment faire? Comme ça, très bien, magnifique, c'est génial. C'est comme, t'as tout compris, t'as tout compris. En cherchant à renforcer les liens entre les joueurs. Oh, vachement, on s'en fout, permutez vos décès. Hop.
Voilà, ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, vos joueurs sont plus équipés que jamais. Hop, ah non, je ne joue pas. Moi, je joue pas en classique. Je joue en alternatif. Voilà. Est-ce qu'on va trouver un. Oh putain, je joue avec. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Messi, Agüero, Pedro, Fabregas, ça me paraît bien. Gestion d'équipe, paramètres de jeu. Ah, paramètres de jeu. Tiens, on va aller voir un peu. Durée de la période, on n'a pas le choix. Niveau de difficulté, semi-pro, pro. On va mettre en semi-pro, on verra bien. Mode saison, dégagé. Ok, parfait, c'est génial. La caméra par défaut. Ouais, je crois que c'est par défaut, je pense que je mets. Caméra multijoueur, devient pro, hors ligne, on s'en fout. Visuel, nom des joueurs. Ah merde, c'est là que je veux changer normalement. C'est là que j'aime bien changer, puisque c'est là que ça permet de faire apparaître le nom des joueurs au-dessus de leur tête, hein, pour ceux qui cherchent. Mais là, on n'a pas le droit encore. Ok, les règles. Blessure, non, hors-jeu, oui, tant qu'à faire, ce serait bien. Main sans. D'accord, non, main avec, hein. Je sais pas, quand tu fais une main, ça se siffle. Attends, il y avait autre chose. Main avec, sauf penalty. Bah non. Avec, moi je joue entièrement dans les vraies règles du football, monsieur. Et les commentateurs, commenter, on va mettre à zéro, on s'en fout complètement. Tac, 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 zéro. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. On va voir un peu ce que ça donne. C'est parti, prêt. Comment on fait pour jouer? Je veux jouer, je veux jouer. Manette Xbox sans fil, on va vite aller voir quand même comment ça se passe. Donc, tir, voler, passe. Alors, attends, parce que je me souviens pas. Ok, bon, ça m'a l'air pas mal, ça. Alternatif, jouer match. Jouons. Donc, ce sera le premier match que je vais faire. Ça va être le mode fut, mais en non-ligne, apparemment. Hein. Donc, on va taper une belle équipe. Ah, peut-être que. Je sais pas en gros. Je sais pas si j'ai un adversaire, un vrai adversaire en face de moi. Ou pas. Je sais qu'on avait le choix entre plusieurs équipes. Vous avez des mix BPL Ligue 1, équipe de rêve 1 contre équipe de rêve 2. Tout le monde rêve, c'est génial. J'ai pas branché le son, hein, je vous avouerai, parce que j'ai ma femme qui est à côté de moi. J'avais pas le temps de tout brancher. Ça serre la main, c'est génial. C'est pas comme d'habitude. Des fois, il y en a qui évitent de serrer les mains. Le maillot est très joli. Je sais pas c'est quel maillot, mais en tout cas, il me plaît bien. Là, le maillot blanc et jaune. Ok, Emo Wachernwarichter. Ok, un Allemand qui va nous arbitrer. C'est parti les amis, premier match. C'est parti, on va voir comment ça se passe. Donne le ballon, tonton. Donne le ballon. S'il nous fait une KSI, c'est qu'on a affaire à un être, un humain. Ouais, je pense pas. Ah merde, c'était en. Est-ce que je suis en choix de joueur manuel? Je ne pense pas. Manuel. Tiens, donne le ballon. Oh, il m'a l'air de bien dribbler quand même pour un. Hop là, hop là, hop là, hop là. Attention, pas prendre le premier but quand même, si peut-être. Oh, gardien. Ouh, superbe. On va faire une petite pause quand même, parce que j'ai envie de voir un peu. Paramètres, oui. Le choix des joueurs. Commande de base, c'est mieux. Non, pas commande de base. Moi, je veux juste que ce soit en manuel. Reviens. Voilà. Paramètres de jeu. Caméra solo, on s'en fout. Visuel. Attends, on n'a pas le droit de choisir son. Paramètres manette. Célébration. Paramètres assistance, jouabilité. Ah, voilà, changement. Voilà, je joue en manuel, moi. C'est beaucoup mieux. Enfin, après, chacun fait comme il veut. Mais moi, sinon, j'ai du mal à choisir les joueurs. On a eu très très chaud au cul. On a fait se prendre le premier but. On va regarder les animations. C'est vrai que la pelouse. Ah oui, c'est vrai que la pelouse s'abîme au fur et à mesure. Petite nouveauté qui ne doit pas apporter grand chose, mais un peu plus de réalisme. Pour l'instant. Ah là, on n'a pas pu choisir. C'est dommage, c'est qu'on n'a pas pu trop. J'ai pas trop regardé ma formation. J'ai Lionel Messi dans mon équipe, donc je peux pas perdre. C'est vrai qu'il y a des petites traces sur le. Je pense quand même que j'ai affaire à un instrument en face de moi parce qu'il fait les dribbles typiques du mec qui joue à fut là. Coupe. Allez, passe devant. Ah, par contre, il y a toujours le mec qui a toujours pas compris dans FIFA. Oh, magnifique. Ils ont toujours pas compris dans FIFA que les défenseurs devaient aller vers le ballon et pas attendre comme des poteaux. C'est dommage. Hein, j'aurais bien aimé qu'ils le changent. Mais bon, je me prends un premier but. 1-0. Magnifique. Regardez, bah, ça vient de quoi? Ça vient du fait que mon joueur n'a pas été vers le ballon. Petite dribble. Par contre, ça a l'air vachement plus rapide. Hein. Diego Costa, forcément, Diego Costa. Ouais, ça a l'air plus rapide au niveau de l'animation des joueurs et de la rapidité d'exécution. Ouais, on va essayer de lui faire vendre un peu de rêve là quand même. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, va devant. Des doubles, sans tête but, non? Alors, je sais pas si ça passe mieux ou moins bien, je sais pas. On va revenir, il nous a fait un petit crochet. Ouh, il n'y a pas eu le temps de centrer, dommage, on est contré. On va juste parler de l'aspect technique, hein, le score, à la rigueur, on s'en fout complètement. On va regarder un peu comment ça se passe. C'est vrai que les petits mouvements propres aux joueurs ont l'air d'être un peu plus rapides. Ouais, non, c'est pas l'ordinateur qui joue, c'est pas possible. Enfin, c'est pas un ordinateur, c'est une console. Attention, il est pas hors jeu. S'il est hors jeu, il siffle aussi tard qu'en vrai, ça au moins c'est réaliste. Les petites animations, regardez un peu les traces sur le terrain, j'aime beaucoup. C'est vrai que ça apporte, c'est pas ça qui fait le gameplay, mais en même temps, allez, petite roulette, génial, c'est super. On a fait des super roulettes. Ah, il défend encore corps et âme. Allez, mon petit, on va quand même aller essayer de lui en mettre un quand même. Par contre, ça me stresse de ne pas avoir le nom de mes joueurs au-dessus de la tête, j'ai vraiment pas l'habitude. Fais un appel. Non, il fait pas d'appel. Ok, on va essayer de faire la touche appel. Je me gratte le nez en même temps, si vous m'excuserez. On n'est pas non plus professionnel ici. On se gratte le nez en même temps qu'on joue. Oh, petit crochet, il fait quitter mon slip.
Il a l'air de tripoter un peu là. Il tripote un peu. Allez, va, donne le ballon. Pourquoi il court pas? Voilà. Il garde beaucoup la balle. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. J'arrive pas à déterminer si c'est un être humain ou si c'est la console qui joue. En tout cas, si la console, bravo, elle joue très très bien. Il donne à tonton. Oh, je me fais prendre de vitesse et il sort tout seul en touche alors que j'avais le stick vers la droite. Pour l'instant, ça se passe. Ouais, à voir. On m'avait dit, certains abonnés m'avaient dit qu'il y avait encore l'effet Medicine Ball. Là. Je trouve que pour l'instant, ça se sent pas plus que ça. Le ballon a l'air un peu moins lourd. Par contre, la tête, là, il nous a fait une tête. Mon pauvre, il a fait une petite tête. Ça fait 15 mètres de long. Hein. Je trouve que le ballon a l'air justement un peu plus léger. Après, à voir. Hein. C'est toujours une version démo aussi. Hein. Il y aura peut-être des corrections qui seront effectuées avant la sortie officielle d'ici 15 jours. Et bon, enfin, en tout cas, j'espère, parce que sinon, ça sert à rien de nous mettre une version démo si c'est pour pas écouter, si on a des choses à dire. Allez, hop, il va nous replanter le même. Allez, mets ta tête, saute. Il veut pas sauter. Bon, pour l'instant, je dois avoir 6% de position de balle. Je peux pas dire que pour l'instant, je peux vraiment donner mon avis parce que j'ai pas le ballon. Ouf, putain, alors ça là, il est parti directement sur le gardien. Relance à la main. Chose à peut-être pas faire. Voilà, déviation, tranquille. Par contre, là, il y a plus personne du coup. Allez, Lionel, fais plaisir à tonton. Tu l'as vu là-bas en bas. Hop là, LBY. Dégueulasse. Allez, tout de suite. Bing! Oh, gardien. Première action, LBY. On m'a dit aussi que la LBY, c'est pas plus que ça, à voir. De toute façon, comme je dis, c'est vraiment une petite découverte. Et on verra comment ça se passe. Pour l'instant, ça a l'air de se passer plutôt bien, justement. La physique des joueurs a l'air d'être un peu plus allégée, d'après ce que je ressens. Non, mais il me fait tout le temps la même, quoi. Tiens, 2-0, deux fois le même but, bien joué. J'arrive pas du tout à défendre, par contre. J'arrive pas du tout à défendre sur ses joueurs. Il faut se réadapter, c'est un nouveau FIFA, une nouvelle saison qui commence. Et c'est parti, Didier Drogba, bah forcément, t'as Dédé aussi. Qu'est-ce que tu veux faire contre Dédé? Tu peux rien faire contre Dédé. Allez, Lionel Messi, 4 étoiles de geste technique. Alors par contre, ça queen parce que Zlatan n'a pas. Oh! N'a pas 5 étoiles de geste technique. Ouais, moi je suis d'accord aussi, c'est vrai que quand tu vois les buts qu'il a mis, rendez-nous 5 étoiles à Zlatan quand même. Par contre, il y a Chikawi qui est passé en or là. Ça risque de te faire mal, je sais pas s'il joue en Barclays ou en Division 2 anglaise, c'est ça le problème. J'espère que c'est de la Barclays, je sais plus du tout son club. Hop là, double contact. Allez, va. On va repiquer, on va lui faire ça. Ah, par contre, oh, allez tout de suite, allez, bing! Ouf. Voilà, ça fait un peu bizarre quand même l'animation des gardiens, ça fait un peu le. T'as un petit Ouistiti qui saute sur place là, je saute. Je trouve qu'il saute un peu rapidement, enfin le saut visuellement est un peu rapide. À voir. Par contre, défend, non, on peut pas défendre, toujours pas. Est-ce qu'on va la récupérer? Bon, pour l'instant, on est mal, les enfants, pour l'instant, on est mal. Vous me direz, c'est vraiment pas avec mon niveau que je me suis fait connaître sur FIFA, donc si je suis une quiche sur FIFA 15, ce sera pas beaucoup plus dangereux. Par contre, les petites animations, j'espère qu'ils nous en ont pas collé 56 000 là, parce que sinon ça risque d'être compliqué. Et va mon ami, pourquoi tu lui fais pas d'appel? Est-ce que je joue à défi... Non, je joue à domicile. Ah, la honte, premier match à domicile, pour l'instant je suis mené 2-0. Allez, faut que tu fasses un appel, voilà, il a fait l'appel, elle est belle, le petit centre peut-être, elle est partie. Ouh, allez, attention. Oh, qu'est-ce qu'il siffle? Il est hors-jeu. J'avais pas vu. Peut-être qu'il est hors-jeu. Non, c'est la mi-temps. 2-0 pour mon adversaire, tout à fait logiquement. Après, comme je vous dis, c'est vraiment pas le but. Ouh, une petite animation magnifique. De frappe, 38% de possession de balle. Bon, hein, pour moi, ce qui est bien, c'est que ça va pas changer par rapport à FIFA 14. Hein, j'avais à peu près la même possession de balle. C'est-à-dire entre 35 et 40%, malheureusement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment vous faites pour avoir 60% de possession de balle. Moi, je n'y arrive pas du tout. Allez, il est parti cette fois-ci. Allez, va. Oh, allez, bing. Mais ce gardien, oh, il veut pas se laisser prendre. Hein. Pourtant, la balle, il me semblait que la passe était pas mal. On va lui faire un petit crapaud. Non, il veut pas un crapaud. Une autre frappe, ok. Voilà, je suis. Alors, par contre, moi, je suis habitué à voir le nom de mes joueurs qui apparaît. Du coup, je sais s'ils ont 4 étoiles de geste technique et quel geste je peux leur faire faire. Et là, du coup, c'est un peu compliqué pour moi. Allez, coupe. On va aller voir un peu ce que ça raconte là-bas. Allez, un petit appel, voilà, il est parti. Oup, c'est Messi, la vitesse de Messi. Ouais, fallait pas te tromper de côté, sinon ça risquait de piquer à ton cucu. Voilà, allez, on continue. Voilà, premier stop and turn. Allez, la volée tout de suite, bing. Oh, tchou, c'était bien tenté. Bon, il faut pas appuyer sur la gâchette technique, hein. Ils ont mis le même système que dans FIFA 14. Maintenant qu'on est habitué à ça, il n'y a pas de souci, on va faire avec. C'est vrai que moi j'aimais bien quand même le fait de laisser son doigt sur la gâchette technique, ça rajoutait un petit peu de technicité justement. Bon, je pense qu'on a quand même affaire à un être humain en face parce que ça m'étonnerait que la console gère comme ça, surtout en semi-pro. Allez, on va essayer de lui prendre le ballon et de marquer un petit but quand même, voir un peu ce que ça se passe au niveau des animations. Il y en a eu plusieurs qui ont été rajoutés, mais je trouve quand même que... Ouais, oula. Changement, non, je sais pas, il n'y a pas fait de pause, donc on a affaire à la console. Donc la console joue très très bien.
Que fait-il rentrer? Je ne sais pas. J'ai pas trop fait gaffe. Attention, on va pas se prendre non plus un troisième but. Hein. Ce serait la honte intersidérale. Toi, il enchaîne. Ouf, ouais. Ouais, non, le seul truc que je trouve un peu bizarre, hein, ça change rien au niveau du gameplay, c'est la gestion des sauts du gardien. Je trouve que ça fait un peu trop ding ding ding, ça fait la sauterelle directement là. Ils sont un peu moins coulés que dans le 14. Attention. Un petit but quand même là pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce qu'on peut lui faire un Gangnam Style directement? Je sais pas s'il y a des animations, les nouvelles qui ont été faites. Je sais pas s'il y a une liste qui a été déployée, des nouvelles animations. C'est vrai que c'est tout con, mais moi j'aime beaucoup. Quand on a toujours des petites animations un peu sympas, c'est vrai que quand tu célèbres ton but, ça fait toujours plaisir. 2-0 toujours, 65e minute. Il change toujours. Et nous on est toujours menés, c'est ça le problème. Allez va. Oh, la vitesse vous manque. Oh, dommage. Dommage, ça sort en touche. Je pensais que l'appel allait être un peu meilleur. Vite, fais la touche, vite. Dirigez le receveur. Ok. Ah, ça, c'était peut-être une nouveauté. Est-ce que ça va sortir? Il va falloir centrer tout de suite, les amis. On centre tout de suite. Allez. Ouf, oui, bah forcément, avec Messi, c'est pas gagné. Ça dégage directement, loin devant. Attention, ouais. Voilà, toujours le petit contrôle. Bon, c'est normal, en même temps, c'est piqué, donc il va pas nous faire un petit contrôle au porte-manteau. Voilà, celle-là, tu l'as pas vue. Allez, Pedro. Le petit Ronaldo Chop qui passe pas du tout. Sagna qui défend comme un lion. On a du mal, on a franchement du mal, mais le jeu pour l'instant me plaît. J'aime la rapidité, il y a ce qu'il faut. La force du ballon, enfin le poids du ballon a l'air tout à fait correct. Et je ressens pas cet effet de lourdeur que j'avais dans le 14. Donc je pense que nos amis skillers vont pouvoir se faire plaisir. Après, comme je dis, ça reste une démo, donc on va voir un peu comment ça se passe. Hein, ça tombe d'ici 3 semaines, on trouvera que c'est la pire bouse qui ait jamais été créée. On va pas, je vous dis, hein, je pars vraiment pas sans, avec un a priori, donc allez, va, allez, Touré, allez, la grosse frappe de Touré, ouh, dommage, elle était pas mal, le gardien qui t'a enlevé ça du style, aucune peine, je m'en fous, je savais qu'elle était pas en lucarne, attention, pif, la main de chat, comment se tirent les corners, ah, oh, petite caméra, nickel chrome. Bon, le match est un peu plus court qu'un match normal, hein, vu que c'est que 4 minutes, ah, il a sorti son gardien, bien joué à lui. Et il va attendre un peu. Prends le ballon. Vite, dépêche-toi. Ah, dommage. Si j'avais pu lui choper le ballon. Ah, là aussi, c'était pas mal. Ah, il revient. Oh, il veut pas la donner. Bon, s'il gagne du temps, oui. Bon. Je pense que maintenant, on sait qu'on a affaire à un adversaire humain. Oui. Ça m'étonnerait beaucoup que la console essaie de gagner du temps. La console n'est pas pervertie comme ça. Ah, ça joue. Petit bandeau d'ombre là-bas. La caméra est un peu lointaine quand même. J'aimerais bien que ce soit un chouïa plus près à ce niveau-là. Est-ce qu'on va réussir? Alors, le tirage de maillot se siffle, oui, mais ouais, non, c'est un peu trop long pour moi. J'arrive pas trop à voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce qu'il va. Enfin, il va nous remettre le même ou quoi? Non, quand même pas. Oh là, la belle relance dans l'axe, j'avais pas du tout demandé ça, mais c'est sympa. Allez, mets devant. Voilà. Vaut mieux la mettre devant que derrière. Récupère le ballon. Allez, couillon. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut. Agüero. Oh oui. Oh, penalty. Oh bah oui, penalty quand même. Après le stop and turn. Oula, il y a bagarre. Oula, il y a bagarre, les gars. Ouh, c'est chaud. Il y a moyen de se friter un peu la gueule. Il a pas trop apprécié le stop and turn et il lui a taclé un peu la. Bah, un petit peu la gueule. Hein. Il y a pas à chier, attention. Aïe. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait penalty. Un nouveau changement. Oh, Johnny Rookmout. Johnny Rookin, faut toujours avoir un Rookin, ça porte bonheur. Attention, Fabre, c'est qui c'est? Non, on va le faire tirer avec Messi, ce serait quand même pas mal. Qui nous marque un petit but. Allez, on s'en fout, pousse-toi, laisse Lionel de tirer, est-ce que je peux le changer? Oui, Messi quand même. Messi, voilà, on va mettre Messi, le petit gaucher. Ils ont fait les cheveux courts, pourquoi pas, vous savez qu'il a eu tous les cheveux longs, courts, voilà. On va le mettre à droite, faut toujours tirer à droite les pénaltys, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Attention, si on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça fait wouhou, ça fait ça. Ça fait l'oreille. Et truite dans le filet. Oui, c'est le plus important pour moi. S'il y a la truite dans le filet dans FIFA, je suis content. On va regarder comment ça se passe au niveau de les. Alors, regardez, vous avez attaque de folie, ultra offensif, offensif, et vous avez défense de malade et ultra défensif, ainsi que modéré. On va se mettre devant quand même. Oui, attaque de folie. Allez, attaque de folie. Quand tu parles de folie, ouais. Allez, c'est la fin du match. Bon, alors, écoutez, on va pas tirer non plus 50 000 conclusions de ce premier match. Hein. Je pense que je vais refaire quelques matchs et vous proposer une autre vidéo. Mais là, c'était vraiment histoire de découvrir un peu comment ça se passe.
Bien, franchement bien. C'est comme je vous dis, j'ai pas cette impression de lourdeur que j'avais dans le FIFA 14. Donc à voir, est-ce que ça va nous paraître aussi bien à la longue, pourquoi pas. Mais pour l'instant, je vous dis pas vraiment de côté. Voilà, ça y a rien qui me choque aux yeux. Comme je vous dis, les petites dégradations du terrain qui a pas été exceptionnelle sur ce match vu qu'il fait beau. Ça a l'air sympa. Les gardiens, c'est vrai qu'ils ont l'air, ils ont l'air quand même pas mal costauds. On va voir, on va voir. C'était vraiment découverte. Cette assise, on est bienvenue en deuxième mi-temps. Ça nous a pas permis. Ah, performance, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là, on a les stats détaillés de tous les joueurs. Ok, pourquoi pas, on approfondira ça plus tard. Les notes des joueurs, toujours le même système. Ok. Et moment fort, ok, ça marche. On va faire continuer. Je pense qu'on va. De toute façon, on a que ce petit menu-là. Hein. Je pense qu'ils nous ont pas fait autre chose. Je regarde la vidéo, on en a 20 minutes, on est pas mal. Bienvenue dans la démo de FUT, dans le demi commun, vous créerez votre équipe de rêve. Ok, ça marche. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah oui, choix de l'équipe. Voilà, on va aller voir un peu le choix de l'équipe. Donc on a le droit à une équipe Liga BVDA Barclay, Ligue 1. Ah putain, Liga, superbe, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Zlatan! Putain, pourquoi j'ai pas pris Zlatan? Fais chier! Vanderville, ok, en or. On verra bien, je vais faire quelques matchs et puis après on en refera un pour vous donner mes impressions sur le long terme, entre guillemets, puisque j'aurais fait une petite dizaine de matchs. Voilà, bah écoutez, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, également l'application FUT, alors apparemment l'application FUT aux dernières nouvelles sera active le 15 septembre, d'après les suppositions, il n'y a rien d'officiel encore, c'est certains youtubeurs anglais qui l'ont dit, à voir, donc ceux qui veulent, on pourra, comme l'année dernière, se créer déjà une équipe de malades, style, vous pourrez avoir déjà des Zlatan à force de faire l'achat-revente avant la sortie de FIFA officielle. Ça, je trouve ça un peu pourri, parce que autant que tout le monde démarre le même jour, au même moment, ceux qui n'ont pas le temps de passer 15 000 heures sur l'achat-revente avant la sortie de FIFA, bon, pas se faire léser, mais bon, c'est toujours mieux de commencer tout le monde avec une équipe bronze. Après, ça, c'est mon avis personnel. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo découverte vous a plu. Moi, ça m'a plu. Franchement, j'ai rien à dire pour le moment. On verra bien par la suite. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut tout le monde. Newman, le seul youtubeur qui n'a pas d'intro. La grosse frappe!